Bonsoir, c'est Mishka, votre présentatrice face à la vérité. Aujourd'hui, disons ce soir, je reçois Olivier Kalabassi. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir. Alors, j'aimerais savoir qui est Olivier. Olivier, c'est un serviteur des dieux, chantre, voilà. C'est ça. Chantre, vous faites vous faites la... Vous êtes dans la production, vous êtes dans... C'est vous-même qui est chanteur, c'est vous-même qui compose, c'est vous-même qui... Je pense que je suis un... Comment je peux dire? Je suis un serviteur au service, je suis un leader, je suis un modèle pour certains jeunes, je suis un serviteur, donc je suis au service, en pleine mission. Mais je dirais, j'ai vu, vous avez fait le samedi passé, si je ne me trompe pas. Oui. Vous étiez en concert. Oui, en concert, mon retour sur scène après 5 ans. D'absence en Europe. Ah, parce que vous n'étiez plus en Europe, vous étiez au... J'étais au Congo, j'ai fait 5 ans au Congo. D'accord. Et ça fait que pendant 5 ans là, je ne me produisais pas ici en Europe, surtout précisément à Paris. Ah, vous avez une église là-bas alors? Parce que si vous êtes... Oui, au Congo, j'ai prié, oui, j'ai prié à l'église. Non, une église, genre, vous êtes serviteur, vous êtes peut-être pasteur, évangéliste, je ne sais pas, ça, oui, peut-être que je n'ai pas posé la question. Je servais à l'église là-bas au Congo. D'accord. Oui, okay. Je travaillais à l'église. Ce que j'allais dire, dites-moi un peu, vous air un peu quand vous êtes rentré, j'ai vu, c'est un air un peu tendance, un peu phallie. Dites-moi un peu, c'est juste une ressemblance, vous êtes sosie, ou il vous inspire, je ne sais pas. Cette question, elle revient, bientôt ça va faire des décennies qu'on me pose toujours la même question. Je suis moi. Et je reste moi. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, avec le monde d'Internet, les gens sont un peu... C'est-à-dire, l'Internet, on croit que l'Internet a de l'avance, or que l'Internet a du retard, justement. Pourquoi? Par rapport à moi, Olivier Kalabassi, ceux qui me connaissaient avant, quand ils me voient, ils savent que Olivier a toujours eu son identité comme ça, sans vouloir copier qui que ce soit. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, avec le monde d'aujourd'hui, ils peuvent voir deux personnes avoir des styles un peu similaires. Mmh. Et eux, ils peuvent pencher en voulant dire comme si que tu copiais. Mais après, Fali, c'est un frère, c'est un ami. Donc, on se respecte, nous deux. Ok, d'accord. Mais c'est juste savoir. Hein, parce oui, que bien moi, sûr. Moi, j'ai pas suivi des émissions où on parlait de vous. Justement, j'ai donné aussi mon avis pour vous dire que là, vous recevez Olivier Kalabassi. Non, vous pouvez me tutoyer, hein. C'est plus facile. Là, tu reçois Olivier Kalabassi. Comme vous pouvez aussi avoir une personne qui vous ressemble. Ça arrive dans le monde. Arrive. On peut se retrouver à trois, avoir la même façon d'être. Mais j'ai l'impression que chez nous, dans notre communauté, c'est un drame pour Olivier Kalabassi. Et ça devient comme si, ça fait passer Olivier Kalabassi comme si c'était un suiveur, c'est comme si c'est une personne qui est en train de vouloir imiter une personne. Moi, à part imiter Jésus-Christ, je ne sais pas qui je dois imiter. Même les hommes qui nous prêchent, je ne souhaite pas les imiter, je mite Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas encore imiter une personne qui chante pour l'instant pour les hommes. Donc. Non, c'est juste une ressemblance, hein, parce que mais moi, si je ne vous connais pas, je vous vois dans la rue, je vais... Ah, c'est Fali. Ah non, c'est pas lui. C'est pour ça que j'ai dit que moi, mes réponses aussi, elles sont nourries pour que la prochaine fois, les gens ne puissent plus tomber sur ces genres de questions. Se poser la question, pourquoi. Mais ça arrive, ça arrive. Ça va jamais finir, hein, de toute façon. Mais on doit s'adapter, s'adapter. Ça va jamais finir, de toute façon. Si moi, j'ai l'impression, plus les gens en parlent, plus ça devient de pire en pire. Si les gens font en sorte qu'ils ne calculent pas, on verra autre chose. Mais même le parler, c'est ça le problème. Et pourtant, on ne le fait pas exprès. C'est ça. C'est Dieu qui a fait ça. Soit il y a un mystère dedans. Oui, peut-être. Voilà. Peut-être. Mais non, on doit accepter ce mystère-là. Ce qui est important, que Olivier Kalabassi reste dans les Écritures de Dieu. Et il ne change pas de sujet. Il sert le Seigneur. Il ne chante pas pour les hommes. C'est ça qui est capital pour nous. Et ça doit être une fierté pour les chrétiens. Et dites-moi un peu par rapport à votre orchestre, comment vous évoluez? Vous êtes à l'aise dedans? Très. C'est l'entrepreneuriat ou c'est autre chose? C'est juste parce que vous servez Dieu et vous faites tout gratuitement et voilà. Comme je l'ai toujours dit, moi,
Je sais que dans la Bible, c'est écrit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Et moi, je suis un serviteur dans le service. Moi, mon ministère est un travail en mission. Je suis rémunéré par Dieu au travers des hommes. On ne va pas se voiler la face. C'est-à-dire, ce que je fais, je gagne ma vie dedans, mais en étant au service. Comme j'aurais pu faire comme les autres amis, à chanter pour les hommes, on me paye. Mais moi, j'ai choisi à chanter pour Dieu. Et je sais que Dieu, il paye à double, je peux dire. Ça veut dire, il paye spirituellement et charnellement. C'est ce qui est important pour mon âme et pour ma santé. Donc, c'est ça. Alors, Olivier Kalabassi, dis-moi un peu. Namona qui concerne mon corps, je pense, si je... Isaïe qui n'a pas paix à mon passage. Tu peux me dire un peu... Un prince de la paix. Un prince de la paix. Oui, mon passage. Oui. Oui. Tu peux me dire un peu... Zénith. Comment... Déjà, Tozaï, ma premier groupe congolais, chrétien, au Babeta Zénith de Paris. Bisous, ah. Bisous, mon prima. Ah bon? Bah, les premiers bisous. D'ailleurs, c'était pour moi l'une des belles performances. Et puis, souvenir, il y a Vinanga, il y a Mounen et Zaki, le Zénith de Paris. Pourquoi? Parce que le Zénith de Paris, Zaki n'a filmé à Makassi. Et Zaki, à un moment où il y a l'orchestre, il y a le prince de la paix. Et Zaki, dirigé par René Lokwa. Et à un moment où l'orchestre, il y a Zaki, l'orchestre phare, il y a musique. Il y a pas chrétien, il y a poto. Tout le monde d'abord au concert, il y a un LEC. Et concert, il y a un MTMMA, il y a un monde, on peut dire. Tu rata que tu voyages aux États-Unis. Parce que tu es tellement sollicité que tu es à Rex, Salmon à Londres, Rex, parmi les grandes salles, les stars, les bêta, tu es à Rex. Et tant que tu es aussi sur Rex, tu es à Paris, tu es à Beta Zénith, de Paris, production, il y a un couteau produit par Christian Mbam. À l'époque, il y a GSM production, donc Christian Bilili. Donc, oh, Christian Bilili, il m'a dit producteur. C'était pas Blaise Manzambi. Non, il y a Christian Bam. Bon, il y a Christian. Pour Ezagi, prince de la paix, dirigé par René Lokwa. Paix Samoun passage, dirigé par Mbuta Kamoka. Mbuta Kamoka, managé par Blaise Manzambi. Prince de la paix, managé par. C'est-à-dire en contrôlé par le pasteur Hippolyte, managé par Dodo Manaja, et travailler aussi avec Christian Mbamou et les vieux commandos, tout ça. C'est-à-dire, on est à côté Nabiso. Et ça qui bon. Et Batloura Baya Christian, Baza Bato, ça en sorte que image, bah image Nabiso, dans ma prince de la paix, et faut le monnaie au bimisa au ça qui sorti. Sorti. C'est-à-dire, au moment du concert, on a le bas dans mon frère Menkanou que je salue. Frère Menkanou, mais. Yo, comment on est là-bas leader dans le succès? Maman, entrer au dans la salle de Zénith de Paris, faut vivre en haut pour nous. Si on vivre était au bas, c'est quoi ça s'orgueilleux? Bah, benga bah tout, mais tant qu'on a benganga, bah, nous sommes babando lela. Ça, les Zénith, bah, c'est gang, dans la salle entrer, moko, pour non, 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 mais ta guitare, hein? Mais Nazagi, le bassiste le plus brou, donc Nazagi, nous sommes remuant. Non, non, ça va phase, non, non, comblé. Pour ma Zénith, il y a mon nez, mais non, ça va faire un zongi. Mais il y a une énergie dans nos zongs. Donc, quoi animer la bande à Kala. Donc, voilà. Mais tu ne m'avais pas dit, hein, Isaki, déjà, il y a 2003, donc 23 ans déjà. Mm-hmm. Donc, c'était déjà avant. Je peux dire aujourd'hui, là, au conquis, c'est en sous 30 ans ou. De carrière? Ah oui, bah, 30 ans quoi, ok, puis, bah, 30 ans, il me souvient, 30 ans, d'habitude, bah, 27, 25 ans. Ah ben super. Parce que tant on a quitté Prince de la Paix, quelques temps après, on a bandit orchestre. Toi, il y a tout le barabas 23 ans. Bah, 23 ans, mm-hmm. Hein. Bah, c'est déjà bien. Mm-hmm. Si vous avez 23 ans, on a, sur le talib, jeune artiste, bah, Bimi Lelo, ils n'étaient pas. Mais moi, j'étais déjà. Moi j'étais déjà. Mais on a battu. C'est pas possible. Mais c'est une bonne chose. Merci beaucoup en tout cas. Oui. Que Nzamba Monayo. Et puis à fond, la porte. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et là, on va passer à un rubrique. Face à la vérité. D'accord. Face à la vérité, sans tabou. Pas de souci.
Donc, s'il y a des réponses que vous ne voulez pas, c'est vous. Mais on est face à la vérité. Et comme vous avez dit, vous êtes chrétien et que vous servez Dieu. Donc, pas seulement chrétien, serviteur de Dieu. Oui. Il faut marteler sur ça. Non, j'ai continué. Yeah, okay. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit ça. J'ai dit, vous êtes chrétien mm-hmm. et serviteur. Wow. C'est ça que j'ai dit. Wow. Et là, je sais que vous allez dire que la vérité. Que la vérité. Et quand on dit, qu'est dit la rue ? Donc, je me suis un peu renseignée sur... Ah ouais ? Je me suis un peu renseignée sur Olivier Kalabassi, qui il est... Et il y a une question... il paraît qu'Olivier Kalabassi est marié. Était marié. A divorcé. Ça, c'est la rue ? Oui, ça, c'est la rue. Ah là, c'est la rue qui parle. Oui, c'est la rue. Bon. C'est des choses que les gens... c'est, je dis la rue un peu commerce, quoi, en fait. Entre la rue et la maison, on doit choisir quoi, maintenant ? On choisit la maison. D'accord. La maison, c'est moi. Oui. D'accord. Mais c'est moi, je dis face à la vérité. Donc, oui, oui, oui. Ça, moi, ça ne dérange pas de dire non, je suis divorcée ou je suis mariée ou ben, je suis en séparation ou voilà, je suis célibataire. Je pense que si la rue pense que la rue a raison, on non, garde non, la non. réponse de la rue. Non, justement, je n'ai pas dit que la rue avait raison. D'accord. Et moi, vous voulez avoir les réponses de ma part. Personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, mm-hmm. C'est un sujet un peu, je veux dire, fragile. Non seulement fragile, mais aussi, je peux dire, sensible aussi. Voilà, fragile, sensible, ça va de pair. Alors, je ne pense pas que c'est mieux de venir d'en parler à la télé que j'étais marié, que je ne suis pas marié, que je suis divorcé. Pourquoi ? Parce que je trouve que ça, c'est une vie privée. Et si la rue a parlé, je pense que la rue parlait dans le passé. Et là, aujourd'hui, nous avons une vie de présent que la rue ne connaît pas non plus. Alors, les vraies réponses se trouvent seulement chez moi. Et moi, le concerné, c'est-à-dire la personne en question, vous savez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à corriger les erreurs. Et je pense que la rue, on leur a tellement donné d'arguments qu'ils en ont créé, ils en ont formé. Aujourd'hui, c'est devenu des immeubles. Alors, je reviens moi-même la personne en question pour dire à la rue... Ils doivent maintenant casser leur immeuble qu'ils ont créé. Parce que là, à l'heure actuelle, Olivier Kalabassi... Mais pour casser, il doit avoir une réponse. Mais, je ne sais pas, peut-être mais tu j'arrive, avoir... non D'accord, j'arrive. Okay. Donc, Olivier Kalabassi, à l'heure actuelle, cherche plus la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra la gloire des dieux. Parce que tout ce que moi je fais est basé sur la parole. Même lorsque je fais une gaffe, je dois apprendre à demander pardon. Je pense que c'est pour le bien-être de tous. Parce que vous parlez d'Olivier, mais dans cette histoire, il n'y a pas qu'Olivier, il y a plusieurs personnes. Et il y a les familles derrière, et il y a des gens aussi qui sont derrière. C'est très important, c'est très sensible. Ah, c'est très sensible, oui. Justement, parce que il y a des gens, il y a des choses où dans la vie, personnellement, on essaie un peu d'éclairer ou de faire comprendre. Parce que de fois, on se fait passer pour un mauvais. Oui, c'est vrai. Sans pour autant être oui. le tigre, quoi. Oui, oui. Ou l'assassin. Je sais. Voilà. Et y a des... si j'ai fait l'émission, c'est justement pour éclairer un peu les hommes d'ombre, que les gens comprennent un peu. Ceux-là qui t'ont vu comme un loup, aujourd'hui peut-être, si c'était à 40%, ça sera, si c'était à 100% ou à 90%, ça sera peut-être à 60% ou à 50%. Voilà. C'est pourquoi, si je me permets de vous poser ce genre de questions, qu'est dit la rue ? Parce que je me suis renseignée. Okay. Et parce que là, on m'a dit un truc. Ça continue, hein. C'est pas fini. On m'a dit un truc. Olivier Kalabassi a divorcé parce que il paraît qu'il était improductif. Vous voyez vraiment que c'est la rue et puis c'est que la rue, quoi. Comme j'ai dit, je ne leur donnerai pas des arguments pour l'année 2024. Cette histoire date de l'année 2023. Là, nous rentrons vers l'année 2024. Et ma meilleure façon pour faire taire les médisants, c'est de continuer de bien travailler et d'être au service de l'Éternel. Je pense que ma meilleure réponse pour toutes les personnes qui ont eu à parler sur moi, c'est le travail que je suis en train de faire en ces nets moments.
C'est-à-dire de partir des zéros pour devenir un héros. C'est ce que je suis en train de faire. Et c'est ça ma réponse. Mais en vous entendant parler, c'est comme s'il y a, il y a des blessures intérieures. Non, il n'y a pas. Que vous, en fait, c'est comme si vous êtes, sur le plateau et vous dites non, ça, je ne peux pas dire. Parce que non, c'est comme vous avez dit, il y a des familles. Je ne vous coupe pas. Non, permettez-moi. Oui. C'est justement cette sagesse-là d'éviter de dire des choses qui ne sont pas bien placées. Parce que je suis un humain. Là, je suis face aux caméras, face à vous. Et je suis en train de dire des choses. Il y a des choses que je ne pourrais peut-être pas maîtriser, que je le dirais. Peut-être pour moi, je me justifie. Mais peut-être que j'expose certaines personnes. Vous savez, moi, je suis un vrai chrétien. Je peux avoir mes défauts. Moi, comme tout un chacun, dans ma tête, je ne souhaiterais jamais le malheur de qui que ce soit. Même si ce sont mes ennemis, je ne voudrais jamais qu'ils soient en malheur. Et c'est comme ça qu'on m'a appris dans ma famille, apprendre à protéger les autres. Et toi, Dieu te protégera. Je pense que ce sujet, cette histoire a fait couler tellement d'encre. Les personnes qui me suivent, ils ont tendance à croire que là, il est en train de chercher à arranger. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'il y a un temps où on prend de l'envol et de la maturité. On cherche maintenant la stabilité. Vous voyez? Et si on revient encore sur ces histoires, on se déstabilise. Pas parce qu'on a peur de qui que ce soit, mais parce qu'on veut mieux faire. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord des leaders d'opinion, nous sommes d'abord des exemples, nous sommes d'abord des personnes qui passent à la télé, que beaucoup suivent. Et au travers de nos parlers, nos agissements, nos façons de faire, on peut égarer plusieurs personnes. Ouais, ça, c'est sûr. On peut égarer plusieurs personnes et... le mariage, c'est quelque chose de sacré. Pourquoi je dis ça? Lorsque on se marie, on fait la dot en famille. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de sacré. Le mariage public devient lorsqu'on va religieusement, et là on essaie de faire une fête après la dot. Et il y a certaines choses qui doivent se dire, peut-être en coulisses en famille, que que je vienne aux caméras pour lui dire que ça, 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 oh, il est divorcé, oh, comme ça, improductif. Non, mais parce que... Improductif, non, quoi encore? Il a divorcé parce qu'il travaillait pas, il prenait... Il, en fait, Biloko y a beau-père et comment qui y aillait, donc voilà, c'est pourquoi la famille n'est pas contente. Alors du coup, ça c'est pas, personnellement, bon, c'est vrai que vous êtes un journaliste, oui. Mais la question que je vous pose, toutes ces informations, où est-ce que vous les prenez? Dans la rue. Parce que je... Donc cette rue-là vivait avec nous, ou bien les personnes qui parlent contre Olivier, c'est eux qui vous ramènent ces informations? Personnellement, parce que ça, en écoutant, la rue ne peut pas dire ces genres de choses s'ils ne maîtrisent rien. C'est que c'est des informations qu'on a données à la rue pour que la rue parle d'Olivier. Non, c'est, le problème, c'est que Eza Siko que... Ah, toi, qu'est-ce qu'on dit, Kitoko? Eza Siko que... Batu oyo ba fréquenta yo ou peut-être en couple. Voilà, n'y a yo lobby. Quand si c'est la rue. Ozo ba batu ba lobby. Nga batu a fréquenta ngaï. En fait, on a rue. D'accord. Okay. Pour ne pas citer X, Y, Z. D'accord. Voilà. C'est ça la rue, en fait. Ok. Ouais. Donc, rue, on a ce que les oh, ok, mes formations. Ah, oui, mais tout le monde, boy, comment on a, boy. Ah, ok, d'accord. Ah, y'a tout, boy. Ah bon? Au tout, ils sont tous ceux qui ont une formation, mon gros, deux mots, et peut-être qu'on a. Il y a des mais finalement, mon temps, y'a ni. Maman, ils ont sauté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Oui. Cette affaire, il y a une affaire qui est basale à Nzambe. Nga, na basale, na bateau, nga mosale à Nzambe. De l'autre côté, na basale à Nzambe. D'accord. Alors, ce qui te recommande à un niveau, c'est que les osans à moi, ça jette moi quelque part. Il y a un croc. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'entends dire, nga en tant que mosale à Nzambe, na kolobara ma bien moutouté na TV. Même si na yebi ba mabe na yebi ma kambebele mais na kolobate na et puis na koloba même pas na rue. Pourquoi? Parce que on doit pas attendre seulement des moments frustrés pour toko ma koloba n'importe quoi. Moi je suis Olivier Kalabas, une petite parenthèse que non fongola na kanga assez rapidement. Na koli na poto na ya poto na âge à 10 ans
papa nanga ntamima nga paix à son âme papa Jacques Kalabas Makian naya poto na j'ai 10 ans na sali CO1 CO2 ti na tangi ba classe nanga a na koli na poto to beti mo ba kayu na biso moi pour ceux qui ne savent ça pas na ba ba yebinga to sala ba livraison tout na sala ba msale belé to sala ba to beta ba kayu na biso ezala ba to ba yo kutanga awa na koli na poto mutabanda ole sanga zagite ce qu'on a na ba ajo na komi nango ça dit on a ikutu mwana muke banda ole sanga te ce qu'on a ba ajo na komi nango ba ba koma ole sanga est-ce que vous trouvez ça normal c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas je vais vous dire une chose au Congo il n'y a pas de travail. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma réponse. Si, ça, je le sais. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma réponse, celui qui travaille à l'hôtel. Mange à l'hôtel. Mange à l'hôtel. Alors, si les gens ne comprennent pas que moi, je travaille dans les services du Seigneur, si vous ne me donnez pas l'opportunité de travailler dans les services du Seigneur, que vous me traitez fainéant, ça peut être aussi un péché quelque part. Pourquoi? Comment vous allez l'expliquer maintenant que je suis de retour en Europe? Je vis, je mange, j'achète carrosse, je m'habille. Parce que bon, on a dans ce vent ouais. Na na zo pesa nga ngosi ko bato ba no pesa wa pesa tenas ko zo pesa mbo. C'est vrai que mambo mambo bomba est quelque part côté que non bomba qui ngo biso to éviter. Peut-être. Bon, tu me ça la ra moto moto me ça la ra mbongo. Mbongo qui n'ira tous les jours. Mbongo qui n'ira tous les jours. Ça va faire bientôt au mois de janvier, ça va faire précisément un an que na zo ngia. Mbongo ngo pe na bomi pendant un an aussi la karaté. Mais bato bata la nga mon nga que je vis bien. J'ai le respect pour tout le monde. Mais la rue, ils doivent se taire parce qu'ils n'ont pas des informations. Et puis moi, je ne jouerai pas ce rôle-là. Personne ne va m'inciter à manquer du respect aux parents, aux hommes de Dieu. Même si un parent me manque du respect, moi je garde ce respect pour eux. La différence entre moi et peut-être la rue, je respecte. Tu respectes la rue. Je respecte la rue. Même si la rue ne me respecte pas. Donc, et je demanderais vraiment que l'histoire où tu coulé béton, tu vas nissa makambo. Est-ce qu'Olivier croit toujours au mariage? Largement. Le mariage, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Déjà, moi, je ne peux pas vivre sans le mariage. Fona balara, fona zarana mariage. Ah, donc, mon robot, regarde. Fona zarana moi aussi. Voilà. T'es? Donc, étant gamin, l'homme, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y a bateau, oh les mariages, oh dessus, ngaté, ngaba longolanga la liste wana. Bisous la famille, bisous bande longolanga nyonso babala. La famille na bisous muta divorce ça kuna zate, bande nyonso babala. Donc le mariage pour na bisous ça. C'est comme si on était bosso quoi. Na la pèse information na ngaté. Mais on a le baguette et pas na bisous le mariage ça se conjugue dans le présent, dans le futur, pas dans le passé. Donc j'aime le mariage et j'encourage toutes les personnes qui me suivent à vous marier. Peu importe ce que vous pouvez trouver dans vos couples, résistez au diable, il fuira loin de vous. N'encouragez pas les gens à se divorcer. Nous sommes là, nous sommes des porteurs de vie, pas des porteurs de séparation. Voilà. On doit, nous, on a vu sur ma famille, hein, tous les deux familles, on a besoin de la paix. Ah. On a besoin de la paix. La paix doit y être. Et la paix, ce qui la rue nous aide pas. Il y a un lobby, c'est on a quatre rue, on a battu, on a biso bana quatre. Bango monde ba peli sa moto, mais le concerné. Nous on n'en veut pas. Moi ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui va faire en sorte que na yebana. C'est pas ça qui va faire comme ça un grand serviteur de Dieu. Donc yebana est déjà avant mariage. C'est ça. Tu pour ba la rue peut na yoka pe la rue et le baké. Na yebana. Mais pourtant goyebi que na yebana déjà. Ouais voilà. Moi, je me rappelle encore une chanson. Il y a mon fils qui aimait beaucoup votre chanson. C'est après. J'ai fait un très grand travail dans le Seigneur. Au moment où je suis un monument. Les gens sont musique en Zambie. Ce n'est pas pour m'inventer, c'est moi. Je suis ma banga, je suis ma jeton, je suis ma nini. Aujourd'hui, je suis ma jeunesse, génération devant la gloire de Dieu. J'ai fait un très grand travail que beaucoup ignorent, mais il ne faut pas ignorer ça. Bah, c'est focalisé car on a vie privée nanga. Bon, t'as la paix, travail au nga sali. N'orchestre nanga la bimisa, bah potre, bah prophète, bah maman pasteur. J'ai fait un très grand travail. Oh, les gens parlent peu. Les gens veulent seulement parler de la vie privée, mariée, divorcée. Ça n'a pas de sens. Non sens.
Ben, si tu avais ramené les gens... Je n'ai rien ramené. Non. Donc, il y a un terrain. Il y a terrain. Il y a un terrain. Il y a un terrain. Il y a un terrain. Au y quand même, les apôtres, les servantes, dans les seigneurs. C'est déjà quelque chose à acclamer. Ah oui. Et ça, les gens n'en parlent pas. J'ai des prophètes. Pour Babiman orchestre, non. J'ai des apôtres. Maman, pasteur, pasteur. Est vrai, les lots. Jeune et belle, on a basé à Paris, on a elle, Bethel, Yokanguya, encadré par Olivier. Et puis, il faut mon année, Yakanane, comment? Moi, le cœur que j'ai pour les gens n'ont pas ça pour moi. Moi, j'ai un gros cœur pour supporter les autres. Mais les autres ne me supportent pas. Tu ne penses pas que les gens vont dire la dernière phrase que tu viens de dire? Bah, on t'a Oazouk se victimisé. Victime de quoi? Évidemment, ce que tu as la lingale, donc, que les salopes, que y a un bien. Mais n'a pas bien dit. Sous la bien feu mon loba, yo kaso ose la rue le et zoya bien. Yo bana makam la rue yo yo bana. Yo mo fo loba ko za bien. Ko ze la coute ba bete lo maboko. Mi bete la maboko. Zala ka yo oyebi intimité nous en on a nzambe na alliance nous en on a nzambe. Le reste après c'est des chewing-gum. On va marcher ça calmement. Est-ce que Olivier peut me dire quelque chose? Allez-y. Non. Moi, je ne pose pas la question. Dis-moi quelque chose. Comme tu es serviteur, j'aimerais entendre quelque chose. Je suis pas chrétienne. D'accord. J'aimerais qu'Olivier me convainc d'aller vers le Seigneur en disant deux, trois phrases, je ne sais pas, un mot. Ok. J'aimerais vous dire juste une chose. Tel que vous êtes là, en français ou en lingala? En lingala, nyo sokatoniata. Moto mogote. Akufela one kulusu. Ndengo zawana, ata bato babenga ko ba oya yo. Moto mogote akufa kona. Muta sala ngoka eza Yesu. Donc ndengo zala bongo yeba ke vina yo sans Yesu. Eza mo bulu. Soko mi pesi na Yesu te. Bomo ino za pamba. Muta ko ya lelo apesi yo lelo. Lobby. Ok, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu. Ça veut dire que la vraie vie se trouve dans le Seigneur. Et ce que vous avez dit, peu importe, vous avez dit Daniel au fosse au lion. Ça veut dire que vous avez dit au lion, vous avez dit au lion, vous avez dit au lion, invisible. Donne ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que vous avez dit au lion? C'est que notre apôtre, ma bien nga bakomunyo so bien nga apôtre bishop ma bien nga nyoso ouais nga pèse nga apôtre. Notre apôtre vient de dire donc ouais yamba ki souté bon moi eza et pas Yesu. Amen. Yenesiko, est-ce que tu peux me dire comment ça va se passer? On est à la fin de l'année. Normalement, tu as des concerts. Oui. Et ta vie telle que tu le mènes, parce que c'est en Jésus, je sais. Mm-hmm. Parce que en Jésus, il y a la joie, il y a tout, il y a la totale. Oui. Ouais. Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Très bien, même trop. Là, maintenant, je suis très, trop. Très, trop. Les mots me manquent même. Donc, Ozana... En forme. Ah, ben, gloire à et Dieu. Et heureux, il y a où ça ralenté. Jésus m'a rendu heureux et Jésus m'a rassuré. Vous savez, je veux dire une chose, Dieu existe vraiment. Vous savez pourquoi le Banzamba existera? Concert à retour dans le 9 décembre, et Zala qui est combattu à niveau Mogo, vous en avez été. Donc, Zala Batupena, non, il y a un concert, on a et ça l'empiaka pour Bamba Sepela. M'piaka. M'piaka pena. Mais, niveau n'a la kota ki ba prière. Nef se nzambe nabi. Soit tu existes, soit tu n'existes pas. Et yé bangoke, so ki sonye kome linga, nga na yo neto yo ka sonye. Donc, komo no pe goza na kati. Mais nzamba sa la mystique moko wana. Naka si na bato ba souhaita ki nga malaya. Te la rue, foto lo baga la rue. Bato la to sa kina kisa la bote. Na la rue ko, ba mou le bengi mono za nzambe solo. Et depuis, on est matisse au niveau à foi pour dire que rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut croire. Mais bravo, votre parcours, comme ton lobby, t'as évité
Oh, la rue est zolo. Eh, toi, évidemment. Ouais, Olivier Kalabas, à l'objet, il y a l'ingin et souté. Eh, ma camoua, privé, la ligne n'a raté. N'a boi. Donc, et ça, et même la rue le roté. Ça m'a soupé long. Olivier Kalabas, ça m'apporte rien. Ça nous apporte rien. Est-ce que Olivier Kalabas a une église? Là où il prie? Oui. Ah, d'accord. Ah, Olivier Kalabas a un pasteur? Oui. Oui, par Dieu. Est-ce que vous pouvez pas faire un coucou à... Le pasteur Johan Tanfoumou, Jean Tanfoumou. Ah. Église Meraké. Ah. Voilà. Ben, on salue l'église. Hein. Mm-hmm. On salue l'église parce qu'on vient de recevoir le serviteur qui est dans votre église. Mm-hmm. Il faut toujours honorer. Et là, on touche tête. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Quelque chose à vous dire? Merci d'avoir... Par rapport à ta personne, par rapport à toi, par rapport à ce que tu fais, par rapport à l'Obi, par rapport à Nzambé, par rapport à... Et là, on arrive à Batouka que... va continuer à soutenir là. Bo changa na ma bondeli. N'est-ce qu'on a rechopé na kati. Bo changa na ma bondeli. Bole la pona nga di. Bole la pona banana na bito. Et puis, deuxièmement, merci à Bolé pour la banane. Je suis un vrai multitalent. D'accord. Que vous connaissez, moi je joue. Donc d'accord. La musique, pour moi, le pasteur Mobejo que je salue, Aloba Olivier, il a le son musique. Pour bato ba moninga ko se développer. Pour bato ba te nga ma monza mais auto banango na ba pasteur Botolo, ba pasteur Bolamba. Donc c'est des pasteurs à la... donc biso toi bana ba pasteur wana. Voyez un peu. Mm-hmm. Ba pasteur Domingos. Donc ba toi kala. Pasteur Hippolyte, paix à son âme. C'est-à-dire, la musique, c'est dans mon sang. Quel ma qui l'a. Donc, on a commis les lots, pasteur, on a, ça ne les étonne pas. Ils savent que non, cet enfant destiné à Zaki Boué. Mais Boué Baké, à part la musique, je suis aussi un prédicateur. L'obissot, autant, bon, on a un autre prêché, comme on a monté. Parce que je suis déjà au service. D'accord. Fais des études ici. Oui. Dénu au groupe musicien. Justement, parce qu'à la fin de mes études, je suis en conservatoire. J'ai fait le conservatoire de Gani. Parce que j'allais à l'école. Mais, je suis un docteur, je suis un magistrat, je suis un musicien. Et puis, un colo. Donc, directeur école, je suis orienté malamment. Un conservatoire à Gani. Et c'est là que j'ai fait le conservatoire pendant quelques temps. Après, j'ai exercé au service de l'Éternel avec la protection divine. Mais donc, quand je regarde tes clips, tu es plus. Et là, on y a un seul. Attends, ha! C'est ça le degré où il y a un seul. C'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Et il y a un mélipé contact. Intention. Et ça peut être important. Je suis un keba. Je suis un kebisio. Mais il y a un manque de respect. Il y a un keba. Tu vois? Intention, il y a un mélipé. Il y a très capital. Parce que au Congo, on s'orientait pas autrement. Ok, tu as soutenu la musique classique, des trucs comme ça. Non, je suis congolais purement. Et ma culture, c'est la meilleure culture du monde.
pour valoriser la culture. Et là, tu es frère, tu es pour la musique gospel. Au moins, besoin de la musique chrétienne, on n'a pas cet amour-là de soutenir, de pousser les autres à aller de l'avant. Ah, ça, c'est vrai. Non, le bel aller, biso bato diaspora, biso bato tu vas dans la poto. On a tendance à croire plus dans les musiciens au bazar dans Congo que dans bazar spiritas, spiritu, worship, collega biso bato tu vas dans la poto. Pourquoi? Parce que pour tous ah on a bango. Et pourtant ah on a poto pe batalan bazali. Un artiste comme nga le losogi ba pasteur ba église ba tout nyonso ba checkingai ma boko. Mais le lot tous ça la peu honneur y'a ba grande salle y'a ba Europe ah. Mais au moment bah tu n'as pas la tendance à soutenir bah musicien au bazar na Congo n'a pas besoin de ça ma bien que biso tosa awa mais mutuloko l'Olivier Kalabasi à part ma grande vie familiale nanga bon tu connais l'argent mais pas monter sur les réseaux sociaux tu vois un peu ce que je veux dire pour dire que les jours où bah on va comprendre on est peut-être trop tard bah na bango bazar na bah talent il faut bah y bah peut soutenir tu l'as pas soutenir bah ta Congo parce que na bêti 5 ans na Congo na mona épe comportement à certaines artiste ya Congo envers nga ceux qui bazan na Congo baza batu mususu sope ba ye na poto baza pe batu mususu ouais on voit ça même à la télé vous on comprenez voit, ouais. Mais ce que au moins na soka ye awa conseil bo sale di na répéter ça ma bien plein na lobité que je suis contre c'est mes amis c'est mes frères je les respecte je les aime mais attitude wana boye ba pe ko valoriser de la maison c'est très important. Est-ce que tu fais aussi des adorations des chants d'adoration? Makasi. Toi, tu as telle adoration. La première adoration, c'est que tu as un peu de temps. Et tu as un peu de kolela, Tu as un peu de temps. Ouais, combien d'années? Ah! Parce que quand on a le roi, on a bandi Lelo. Or que non, on a bandi Lelo. Parce que tout à l'heure, l'orchestre est bandi en 2023. Merci pour la guitare. Et bandi en 2003. Lelo, toi, en 2023. Je sais pas. Au moins, la rue Bolobi, qui est à l'Alia, à Sili, mais à Simbi Guitare. Ah. Qui peut écouter mon abinoté? La rue! Tu peux écouter mon bouton. Toi qui peux sous binoté. La rue, toi qui peux mon bouton? Est-ce qu'Olivier Kalabasi peut nous faire interpréter quelque chose et ça sera bien. Ah. Yo un serviteur, yé belonier ça va bien. Maintenant vous êtes belé que ça va bien c'est ça. Oh quand yo monier ça va bien yo soit quoi. Y a mon azur Lucas. Donc là en Athènes on est avec Olivier Kalabasi. Bah c'est une bien tiens. Moto a koki kobika pona kwanga teo. Kasina maloba nyoso yanzambe. Longwa nanga satana yo moto mabe. Tikanga ina umila na Yesu. Tina nini inga ina mitungi saranga ye. Lobina kolia nini bandeko. Tina nini inga ina mitungi samuto tamani. Lobina kolata nini bandeko Longwana nga satana yo moto a la rue Tikanga ina umela na Yesu. Bravo. Et tu peux me dire que c'est quoi la différence entre adoration et la louange? Alors la différence c'est au niveau des textes, pas de la musique par contre. Et c'est là que tout le monde se trompe. C'est les textes. Quand je viens que je vais vous donner un exemple. Comme il y a une chanson, et les autres, ça la rage que j'ai béni la sœur, et les gars sur les réseaux des sociaux. Réseaux sociaux, pardon. Avemba. Zamena côté la bazamba. Yawe tomba mananoué. Si j'agole la na digi nanoué. Yawe tomba. Pour la batouba, mon nom adoration. Nous avons des louanges. A tombo la yes. Mais à Betia Monsugo, on a assisté mon moment à mon tupé. Oh la baba. Parce que les gens ne comprennent pas. On est à louange, on est à louange. Et ça, ton bois mananoué, pas mananela, la diginanoua, allez ton bois mananoué, ah ton bois mananou. Mais mon tout, rapapapapa, rapapa. Et ça, moment, on a dit. Ce qu'on a dit, c'est que on 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 a dit,
Bon, et puis quand même un bon, ouais. Écoute. Ah. Non, mais je n'ai pas été que je n'ai pas été à la rue. Ah, d'accord. Oui. Ok. Moi, je n'ai pas dit. Non, pas vous. Pas toi. Pour la moindre, mon côté, ça n'a pas été. Accentuation, on a accent, on a natier. Bah, t'es belle, bah, il va monter. Qu'est-ce que ça va texte? Il y a moins de différence. C'est ça, musique, il était. Moutako, il y a peine à zoubet l'on dit, mon boy, ma lembe. Mais il y a quand des adorations, nous avons des louanges. Ça, il faut comprendre. C'est les textes que les gens doivent comprendre. Azo senga, toi, azo kumisa. Ko louez a ko élevé trop dans Zambé. Et pour nous, nous avons dit que 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 nous avons dit pour battre ora baba baba ça les liens, mais c'est pas un problème hein, tu peux aussi consommer la louange, louange peux, oui. Peux, mais bien sûr aussi. Justement quand ce qu'on expliquait bah tu vois comment que esa louange esa adoration t'es c'est ça. Ah ben c'est une bonne chose, moi je suis contente de vous entendre. Merci. Et surtout Ndengo éclairer ou éclaircir un peu les zones d'ombre, ah. Oh, peut-être que oh yo voilà, on a ben non, on doit recevoir Olivier Kalaba, si ça va peut-être être chaud. Non. Et là, je vois que je suis en face de moi d'un vrai chrétien. Merci. D'un vrai chrétien pour dire voilà, oh Aébi que il connaît les valeurs de la famille et il sait que non. Côté mon sous peut ma famille Zali. Oui. Oui, qu'on a touché, oui, qu'on a blessé. Alors, ma parent, Zali, ton côté, on a terrain, on a. D'ailleurs. Pour rien, on a continué à terrain, on a échoué. Merci. Je vais trouver ma bonne repos, Limico. Une fois que je vais dire ma bonne repos, comment même tu évites les pires. Tu vas dire ma bonne maman, merci beaucoup. Dans ma pambo là. Mais c'est pour dire une chose, c'est que d'en profiter une occasion pour dire aux gens. Ceux qui ont un bateau, mon égé. Si j'ai nangato makamunanga et les agi bango et dirigeants bango, je représente encore des excuses. Ce qui bamona est place pour onga et nasala qui peut-être na déplaça qui nasala qui geste mora bien te parce que je me sens pas comment dire. Faut... Côté moi on peut pas répondre moi au pesa parce que les gens interprètent toujours comme tu l'as dit. Oui. Pesa ngamai et pesa ngamai et comme il deux choses. Oui. Et comme il a une politesse na ya osenga. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque au moins les locaux pas d'abisso batamangala pour dire parce que nous sommes des Congolais angolais et tout ça batamangala toi et puis qu'on travaille psychologique t'es ça veut dire ouais une personne qui est dans la détresse il ne va jamais réagir de la même façon qu'une personne qui est apaisée muto azana passi akoloba makambu na passi mais bino bato bosso qu'il faut promener t'es toi bon ma été ouais puis combien de bateaux bakoufi na communauté n'abisso ka parce que les gens n'ont pas voulu les accompagner na tristesse na bango ah quand on n'aura rien à zolo bani non bon look bon petit bon tigre les tantos yo kaye mais toi accompagner mais bisou les appelle ah quand on n'aura quand si je m'avance bah tebele bah koufi nango et loko on a bah congolais bah bomi bah tebele bah ça l'effort pour nango alors peut-être il fut un temps na lekam na moment douloureux na loba et les gens ont profité de ça pour bah crucifier nga. J'en demande pardon car le pardon c'est une puissance qui libère. Nganaza mon nzambe et puis pour ça ngezana kota lola. Pour na kota lola les osenga nga ba pardon belé. Na ba humilité belé. Ya mon ami qui dit sinan. Olivier a signé pardon hein à lobby non. Ce qui côté mon ba beta qui moi li bakou mon ba beta bon bordure. Bo limbisaye. Donc parce que azamutu c'est la chair. Et quand tu es blessé, il y a des choses qui se passent. Et des fois, des réponses. Ils ont rappelé que nous sommes à Koulamoukat. On a proposé cet exemple. Nous avons une belle-mère. On a pris cet exemple. Noté parce qu'on a invité. On a pris cet exemple. On a une belle-mère. Et mon beau-sang a posé au Lobaté. Oui, maman, on est là. Ah, on est là. Sinon, on a la mouki. A au Lobisangate. Or, que mon colorant est là. On a une belle-mère. Vous avez un canard comme un aïe au mongo, au vannes, vous avez médité ma mouna au mongo. C'est comme toi aujourd'hui là, au cours de la mouna, n'a tant on a malgré on n'a pas parlé et que les apes si j'aime retomber, t'as un peu de soupe, surtout à un plateau, yo. T'es partout. T'es où on est à Bangot? T'es là bien. N'en a pas gros bien que ça dans une émission. Y'a Olivier, bon, ma camboali, et ça la maté. C'est je le dis, j'ai une personnalité, c'est moi, ça dépend de moi. Bon, n'a pas gros bien que ça dans l'émission, n'a pas beau hyper. Ce qui n'a rien, c'est qu'il y a un dîner. Alors, si on a un plateau,
au moins tout la question d'abîme nous répondre était et à droit en anga bien sûr et là il faut dans bâti canabangon pour n'accomplir ça sous mon tour argumenté nazo mon appétit n'a été parce que le passé c'est déjà le passé on vit une nouvelle vie. C'est tout. Ce qui bah, s'appelle une exagération. Donc, RP Olivier, P. Azaï, qui s'appelle Maramnaï, a tout n'est pas binoté. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. On a reçu Olivier Kalabassi. Vous avez entendu. Boyoki Binomoko, Oyouti Namourone, c'est pas moi, je ne l'ai pas forcé. Il a répondu, il a donné des réponses. J'espère que vous êtes éclairés par rapport à la situation. Donc, à l'obina Binopeke, plus jamais à repassera sous Tebo de la sortie médiatique naïe. Médiatique. Et comme ça, Boroyeba, Sori Mamaza, Mamaza te, ou Maman Morobo Azokoma. Donc, on est allé où ça n'engage que lui, et c'est lui. Oui. Donc, merci à l'antenne, merci pour l'équipe. Bah, mot de la fin. En tout cas, le mot de la fin, je souhaite les bonnes fêtes à tous les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, n'a pas mon arrivé à vos enfants, t'es beaux à vos enfants. À part Nzambé, Nzambé, M'soazate. Et je souhaite que la paix règne dans mon pays, à l'est de la RDC. Pour l'instant, c'est instable, mais je sais que par la grâce de Dieu, la solution va se trouver. Parce que ça n'a pas été belé, parce que ça n'a pas été belé en haut. Au moins, on a fait une campagne, un concert, un séminaire, mais voilà quoi. Tout le monde a fait un bon café. Et puis, je dirais à ceux qui passent des moments difficiles, c'est-à-dire, aux autres, un moment compliqué, la vie personnelle, ton vie professionnelle, accroche-toi à Dieu, et bien, j'étais au zéro, mais aujourd'hui il me rend héros. C'est-à-dire il est capable de le faire aussi pour toi. Crois seulement et fais confiance seulement à Dieu et Dieu va te visiter. Na pesi batunyo so bala na ngambo te na bi ah ma bango va rader. Voilà, il y a Christian Mbam, na pesi déjà mbote. Na pesi mbote na Lorenzo Matraque. Na pesi mbote na Billy Biongo, na pesi mbote na orchestre. Oh, na kambaka pour nous battre orchestre nanga pour moi le douze zaka mon orchestre là ils a nous a mené mita changa wana elbetel yo kanguya na pesi bangombote John Lubila un ami à moi aux États-Unis na pesi ban États-Unis mbote na pesi ban à London mbote David Lessi prophète David Lessi mon ami na pesi bangombote na pesi mbote na Evan Jatoma Lokofe na pesi mbote na confrère nanga Maker Kalabassi voilà, un homme très gentil et puis je souhaitais quand même remercier toutes les personnes qui ont été à la contribution aussi, dans l'évolution, on appelle Sébastien Lanza, mais Mso Bauta Labiso, le roi la prophète Rufin Chimba, donc Bishop Roger Kabea, Sony Mukanda, Yannick Mouchi Keni, et puis voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Nabosani, Printoche arrête à l'eau, quoi, n'a pas de mangam. Il y aura un problème. Bon, merci beaucoup, l'antenne. Et nous avons été honorés merci. De votre présence. Et on espère, ce qui prochainement, s'il y a un concert, je ne manquerai pas. Je vous dis déjà, au mois de juin, nous avons notre deuxième concert à Paris, au théâtre de Blanc-Ménil. Mais vous aurez la date d'ici quelques mois. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci à l'équipe. Et face à la vérité, vous dis bonsoir.